personne à 5. Parce qu'il faut bien continuer le jeu, sinon on le finira jamais. Enfin, du moins le contenu royal. Donc autant commencer la session. Enfin, plutôt démarrer le jeu. J'ai monté un peu mon son et un peu le son du jeu. J'ai trouvé que c'était pas suffisamment fort. Le chat est toujours autant cassé par contre. Hein. Ça ne change pas. Voilà, ça ne change pas. Le chat est cassé. Autant que la scène d'ailleurs. La scène, allô ? Merci. Heureusement que j'ai vérifié ma scène. Et c'était de pas capturer le jeu. Je ne sais pas du tout. Oui, là c'est bon, ça remarche. Il y avait bel et bien un bug au niveau du son. Il y a tout qui a décidé de planter. Calvaire. Tout quand s'est arrêté là la dernière fois, face au mini-boss qui est là, tout à fait. Entre la scène qui fonctionne pas, le chat qui est cassé. Il n'y a rien qui fonctionne ce soir, on dirait. Attention, ombre colossale loin devant. Il bloque l'unique chemin du palais. Préparons-nous au combat. Il a vraiment coriace. Tu es prêt, Joker? Évidemment. Toujours. C'est parti. En plus, c'est bien parce qu'on arrive dans la pire des parties du donjon. Donc, que tout plante, c'est parfait. C'est dans l'humeur du donjon. Êtes les voleurs fantômes. Nous venons mettre un terme à l'utopie fallacieuse de votre patron. Écartez-vous. Stupide rebelle, vous ne ferez pas un pas de plus. Ah, c'est ça. Alors une bonne résistance au feu.
ça vaut le coup de le claquer. Il n'est pas là pour rigoler. Mais ça a bien payé. Mettre un coup supplémentaire. Ah, ça a servi à rien. Pour une fois, un ennemi qui n'a pas une résistance physique, j'ai rien dit. Même s'il résiste, il devrait prendre... Ah non, il résiste, il prend cher. Du coup, ça va servir à rien. Ah si ! Je fais que des crits. J'ai fait un crit. Il n'existe plus. Les crits, ça ne pardonne pas. Surtout ceux d'Assaut Tobi. On a réussi. Cet endroit est vraiment étrange, vous ne trouvez pas ? Modifier la psyché des gens et réécrire leur réalité. Pour la rendre meilleure. Peut-être comme ça qu'il traite ses patients. Ce genre de procédure, très peu pour moi. Partons d'ici, nous devons arrêter le docteur Maruki. On va arriver dans la pire partie du donjon. Comment beaucoup d'ados réagissent-ils en présence de quelqu'un plus doué qu'eux? Ils désirent être cette personne. Oui, c'est ça. L'animation est un peu longue. Hein. On a réussi. Si on m'avait dit que je servirais un jour de mot de passe. Normalement, on va arriver dans la partie avec les plantes de mort. C'est ça. On est parti pour rester une heure et demie là-dessus. C'est la pire partie du donjon. C'est la pire énigme du jeu. C'est de la merde. C'est complètement de la merde. Où sommes-nous? Sacré changement de décor. Nous étions dans un labo et maintenant... Oui, c'est presque comme si on était... Oh, regardez par là. Ces gens sont en train de s'envoler. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Il y a très certainement un rapport avec la psyché de Maruki. Selon lui, quiconque est soumis à son traitement accède à l'euphorie. Alors il croit vraiment envoyer les gens au paradis. Maruki doit être vraiment convaincu que ce qu'il fait est juste. Docteur Maruki. Mona, le trésor est au-dessus de cette salle, pas vrai? Ouais, je crois qu'on est proche. Le problème, c'est de grimper là-haut. Des escaliers, mais il y a un trou énorme en plein milieu. Il faut faire des putains d'énigmes de mort. Il y a de grosses lianes des deux côtés. En plus, on peut s'en servir, vous croyez? Pas sûr qu'elles soient assez solides. Je préfère éviter tout risque inutile. Par contre, j'ai l'impression que le son du jeu, il est tellement pas fort. Ouais, je vais le monter un peu quand même. Autant le monter, hein. Les marches montent un peu, on devrait pouvoir s'y frayer un passage. Du moins, si on en croit notre expérience avant le palais. Effectivement, et on dirait que cet appareil pourrait nous y aider. Bon alors, ne perdons pas de temps. Vous en dites quoi? Cet endroit, c'est le pire endroit ever.
pour avoir tout. C'est tellement chiant. Là, c'est vert, là aussi. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à contrôler les lumières et ajuster la luminosité des lumières colorées. Je vois la lumière sur cette porte en face des escaliers. Actuellement, la couleur du variateur correspond à celle de la lumière. On dirait que les lianes forment un escalier, là où la lumière est orientée. Je crois qu'on pourra changer les chemins disponibles si on change l'éclairage. Joker, essaye de modifier la couleur des lumières avec le variateur. C'est juste l'énigme de merde du jeu. Tout jeu confondu. Enfin, tout contenu du jeu confondu. L'escalier est terminé. Ce sera pas toujours aussi simple. Des fois, il faudra faire des mélanges de couleurs primaires, ça va être relou. Il semble que les lianes poussent quand la lumière est de même, la même couleur que les fleurs. On dirait aussi que l'interrupteur affecte les lumières environnantes. Je me demande s'il y en a encore ici. Pour être humain, on peut utiliser ces interrupteurs pour faire pousser les lianes, c'est ça? Au travail, Joker. Ça va être juste la pire énigme de merde du jeu. Tout le reste à côté c'est cool, mais ça c'est de la merde. C'est long pour rien, c'est chiant pour rien, c'est compliqué pour rien. Je hais cette énigme. Allez, ça commence. D'abord l'escalier, maintenant un mur de liane. Nous avons créé un escalier de liane en jouant avec les lumières. On devrait pouvoir faire la même chose avec ce mur, non? Ouais. Yes! Le mur a disparu, on peut continuer à avancer. Donc allumer les lumières pour créer un escalier et l'éteindre pour virer les murs. Seulement on pouvait tout régler au max et basta. Oui, si seulement. En plus, nous avons seulement accès aux lumières rouges, ici. Même avec d'autres interrupteurs, je doute que nous ayons accès à toutes les couleurs. Faudra qu'on garde ça à l'esprit à partir de maintenant. Ah, le truc de merde, on y est. Je peux aller sur l'escalier? Bah si, pourtant je suis monté à partir de l'escalier. Ah non, mais c'est pour dire qu'il est disponible en fait. Déjà regardons tout ce qu'on peut faire à partir de là. Là il faut du rouge. Du rouge ici. Qu'est-ce qui se passe si je laisse ça? Là on a du vert. J'ai éteint ce qui était là. Ici j'ai passé un temps incommensurable à tourner en rond. On va l'enlever parce qu'on sait qu'on n'en a pas besoin. Le rouge est là. Mais... Là, je me suis arrêté de courir. Elle a un boomerang.
On va dire d'abattre pas comme ça. On va pas chercher à comprendre. Là, j'ai pas envie de combattre. J'ai envie de quitter cette partie-là du jeu qui est la pire. Mais non, mais je rate. Allez, forcément. Ah, et de nouveau des bugs. Ok, non, en fait, il résiste vraiment au physique. Joker, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, ça. Tout ça. Non, non, ça sert à rien. Il va mourir tout seul en fait. Yoshi. Et on regarde la cadence, hein. Ouais, il faut du vert et du rouge. Pour faire du violet. Il faut que la couleur des lumières corresponde aux fleurs, c'est ça. Et du coup, vous avez vu un interrupteur violet quelque part. C'est qu'une hypothèse, mais je crois qu'on peut créer cette couleur avec l'interrupteur. En allumant plusieurs couleurs, le mélange des lumières donnera une nouvelle teinte. Le rouge et le vert sont allumés. Si on les ajuste correctement, on devrait obtenir du violet. Ah, il faut donc prendre en compte les couleurs secondaires. Visionner les couleurs pour dévoiler un chemin. Quel brillant casse-tête. Quelle merde sans nom surtout. Il y a même des notes sur les interrupteurs pour nous guider. Je vais essayer de Joker. On n'a pas le choix de toute manière. Ah, du violet, il faut du rouge et du bleu. Non, la pire partie de l'énigme, ici. Déjà, on sait qu'il faut du rouge et du violet, là, du violet, du rouge, là, pareil. La fin est là, mais c'est juste cette troisième partie qui est chiante. On va passer une heure dessus. Et regardez, un immense escalier. Ça continue comme ça, jusqu'au haut des bâtiments. C'est probablement là que se trouve le trésor. On y est presque. Continuez à avancer, Joker. Oui, oui. Si c'était pas autant mal foutu, j'avancerais bien. Attends, Joker. On était tous d'accord pour dire que le trésor se trouve au sommet de ce grand escalier. On devrait pas aller, plutôt aller par là. Je sens une graine de convoitise là-bas. En bon voleur fantôme, on ne peut pas l'ignorer. Ce serait une bonne idée d'explorer la zone si on en a la possibilité. C'est comme tu veux, Joker. Oui, c'est ça qui est relou, c'est récupérer la graine.
faut du blanc. Le blanc, c'est toutes les couleurs. Et toutes les couleurs, c'est relou. Sachant que je peux pas enlever ce qui est là, puisque j'ai besoin d'aller par là comme ça. Pour faire du blanc là, il va falloir s'accrocher. L'intégralité de tous les passages. Non, non, là je repars. Mettre du violet, ça a exactement tout enlevé. Ah non, pas ici. Parce que là, ben, j'ai pas ce qu'il faut pour autant. Mais j'ai le donjon qui est terminé si je veux. Si je préfère me casser. C'est pas normal qu'il y ait des problèmes de connexion comme ça ce soir. J'ai rien d'autre à lui. Pour de l'argent, on va essayer de la battre. En fait, si elle fait un petit crit, non, tant pis. Il va se barrer. C'est sûr qu'il va se barrer. C'est pas barré, il a quoi le temps? Il est mort avant. Non, c'était derrière la suite en fait. Donc j'ai fait tout ça juste pour un objet. Là, il faut du vert pour revenir. Là, j'en viens. Là, il faut du rouge. Si j'enlève le vert, qu'est-ce qui se passe? Ça m'enlève le chemin.
ça c'est du jaune, c'est pas du blanc. S'il faut du jaune. Jaune c'est avec du vert et du bleu. Non mais là il faut... Non, du calme, je peux aller déjà récupérer le trésor qui est là. Comme ça c'est fait. Non je peux pas, parce que... Il faut du bleu. Je ne sais pas, il y a un truc avec le bleu. Je sais même pas si c'est du bleu. Cette machine de mort. Ah, donc il me faut du bleu. Ne m'aide pas à faire du bleu, toi. Mais qu'est-ce qui se passe avec le truc ce soir? Pourquoi tu plantes? Pourquoi tu me dis qu'il y a des pertes de connexion alors que c'est faux? Non mais... Si je fais du jaune... J'enlève l'intégralité de tout ce qu'il y a. Je crois que moi je désire juste aller là en face. Pour l'instant. Donc ça c'est bon, c'est fait. On s'en fiche, maintenant on n'a plus besoin d'y aller. Du rouge et du vert. Et du bleu, on voit qu'il faut du bleu derrière aussi. Il vaut mieux enlever ce qui est déjà là en bas. Mais non, c'est fermé partout. En bas il y a un coffre aussi, il faut du bleu, du violet, je sais pas. C'est le truc à enlever en dernier. Il faut du violet. Je me suis bloqué, je ne peux pas repartir si je fais ça. Espèce de violet.
si c'est bien du bleu. Et j'ai le coffre, tant mieux. J'ai les coffres, c'est ce qui compte. Maintenant, je peux m'embêter à faire la graine. Eh bien, j'ai enlevé ça. Maintenant, il faut que j'enlève. Du coup, pas ça ici. Ça fait du vert, visiblement. Ah non, non, on commence pas. Mais c'est pas vrai. Pourquoi ? La connexion est bonne. Pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de connexion ? Oh, la VOD qui va être dégueulasse. Bon, c'est du violet, il faut enlever du violet, ou je ne sais quelle couleur. Pour le même temps, je peux revenir nulle part. Ça, bah, je suis bien obligé de le rallumer. Et si maintenant ça je l'éteins, je l'allume. Ça le remet, très bien. En tout cas, il faut finir par le rouge qui est là. Mais là, il faut du blanc. Quelle chance ai-je de terminer cette énigme avant 40 heures de souffrance? C'est fou ça, qu'ils me disent qu'il y a zéro connexion, mais si, il y a de la connexion. Fiche pas de moi. Si, si, je fais ça. Maintenant, il manque plus que du rouge. Sauf qu'il n'y a plus de vert. Ici, donc, je ne peux pas passer. Mais quel enfer, putain. Pourquoi il me dit qu'il n'y a pas de connexion? Ouais, c'est tout enlevé. Ce soir, c'est pas le soir. C'est le soir des bugs, on dirait. Et du coup, tout est remis là-bas. Non. Juste le verre qui a disparu. Je ne peux pas redescendre ici. Dis-moi que je peux redescendre. Putain, non, il faut le plan ici. Ah, oh, quelle horreur. Quelle horreur. Moi, je n'ai pas moyen de tous les reset. Accessible.
venu. De toute façon, j'ai besoin du bleu ici pour venir. Parce qu'il me faut forcément du vert là. Tout ça n'a servi à rien. Je suis revenu à la case départ. Il manque juste du rouge enlevé. Finesse, j'ai réussi. Pour ça, si c'est pas de la chance. Cette ombre a l'air très dangereuse, Joker. Nous devons bien nous préparer avant le combat. Qu'en dis-tu? On y va. Voilà les imbéciles qui ont rejeté la charitable réalité du maître. N'irai pas plus loin. Repartez si vous tenez à la vie. Donc c'est toi, on te connaît. Ah non, on va s'emparer du trésor, que ça te plaise ou non. Allons-y. Le pire mon bug, on te connaît. On affronte 50. Jamais. Je vais déjà le temps d'amuser. J'ai pas envie de faire le combat. Donne des PC à tout le monde. J'ai pas un soma. Personne ne se farmer. Tant qu'à faire. On dirait que nous avons réussi. On devrait maintenant pouvoir accéder à la graine de convoitise. Il serait ridicule de laisser derrière nous un objet qui pourrait nous être utile. C'est à nous maintenant. On les a toutes normalement. Tout à fait. Maintenant. Maintenant, il faut faire du blanc. Pour mettre des chemins aussi.
jaune, hein. C'est pas du blanc, c'est du jaune. Je te fais pas bait, c'est de l'autre côté. Faut du bleu, bah, c'est là. Mais après, du bleu et... Mais non, du bleu et du vert, oui, c'est du jaune. Mais non, en live. Si j'enlève ce qui est là en bas, qu'est-ce que je... Ah non, je peux pas repasser. Là j'ai juste enlevé l'intégralité de tous les passages. Il faut un chemin, hein. C'est nécessaire, j'ai envie de dire. Il dit qu'on passerait une heure ici. Là j'ai du bleu et du vert, hein. Ça faisait pas de jaune quand je faisais ça avant. Ah oui, mais là il me faut du bleu. Et il me faut quand même du jaune en haut. Du coup il me faut du jaune ou il me faut pas du jaune, je sais pas. Je comprends pas.
comprends rien. Jamais compris cette énigme de merde. Parce que j'ai toujours compris que c'était de la merde. Surtout ça avait compris. Attends, mais je viens de faire le tour. Je viens tout simplement de faire le tour. Ça n'a aucun sens. Ça, non, c'est toujours fermé. Non, ça sert à rien de retoucher au machin. Il faut que j'enlève du jaune. Faut que j'enlève du jaune quelque part. C'est fermé. De toute façon, il y a tout qui est fermé. Ça maintenant. Toujours fermé. Ça n'a rien changé. Le maître du jaune n'a pas enlevé la barrière. La connexion n'est pas mauvaise. Et du rouge? Ça n'a aucun sens. Donc maintenant il me faut du bleu. Ça n'a aucun sens. Oui, mais tout est fermé, forcément. Que tout est fermé. J'arrive à faire du turquoise quelque part. Pas ici. Fermer le truc en haut. C'est de nouveau ouvert, mais il faut quand même du turquoise. Ni repartir ni revenir. Mais je peux faire ça. Est-ce que ça m'aide en quoi que ce soit? Je me demande toujours de faire du turquoise. À réouvrir le truc. Ça m'aide pas du tout.
Et puis du coup, le fait qu'il y ait des escaliers jaunes, de nouveau, c'est fermé. Et en même temps, je peux pas revenir sinon. Ça, ça ferme juste tout accès. Mais ça fait du turquoise, a priori. La barrière. Ah oui, ça refermait la... Là, c'est la réouverte, du coup. Ah, mais je suis obligé si je veux pouvoir évoluer entre les différents trucs. Enfin, entre guillemets. Ça m'aide. Que le bleu, j'en ai besoin. Si j'éteins le vert aussi. Allez, maintenant. Maintenant, je vais mon turquoise, mais. Autre chemin. Tout ça parce que là il faut du jaune ou je ne sais quoi, du blanc, je ne sais pas. Il y a du jaune. Et là a priori j'ai enlevé toute forme de passage. On va savoir pourquoi. Ouais, il passe l'animation sur ses roulements. Et là, ça rebloque de nouveau. Je ne sais pas ce que tu attends de moi, le jeu. Je ne sais tellement pas ce que tu attends de moi. Que j'ai du mal faire en bas en laissant un truc allumé. Le problème c'est que maintenant si je vais aller en bas il me faut du jaune. Parce qu'évidemment remettre du jaune ça me rebloque tout. Ce serait bien d'y avoir accès. Ça va quoi que ce soit de faire ça? Et du vert. Que ça sert à rien parce que je suis bloqué. J'ai pas d'autre passage.
tout fermé. Eh oui. Seulement faire quoi que ce soit. J'ai plus de rouge. J'ai du rouge, toi. J'ai du vert. J'ai du turquoise. C'est toi le turquoise. Seulement j'avais du vert, je pourrais repartir. Eh oui, c'est de nouveau fermé. C'est bon, enfin, je crois que j'ai le truc. Oui, c'est bon, putain. Qu'est-ce que c'était chiant. J'avais dit qu'on passerait une heure ici. Ouais, on est arrivé. On est si proche du trésor, ça me rend nerveuse. Ça me dit qu'il sera dégueulasse, désolé. Qu'est-ce que c'était l'enfer, cette merde. Il y a un abri, oui. Il y a une télévision là-bas, on dirait qu'il y a une cassette dans le lecteur. Encore ? J'espère que c'était la dernière. Les cassettes ont l'air de plus en plus récentes. Qu'avons-nous là cette fois ? Qu'est-ce qui vous amène ici, après toutes ces années ? Il s'agit d'une étude complète sur les recherches que vous avez essayé d'annuler à l'époque. Je sais lire, merci. Dites-moi plutôt pourquoi vous me montrez ça aujourd'hui. Oh,
venu par pure provocation. Je voulais vous montrer la preuve concrète que vous vouliez lorsque vous avez annulé mes recherches. Je dois bien admettre que vous m'avez impressionné sur ce point. Mais ça s'arrête là. Tout ça, c'est du passé. Et si vous passiez autre chose pour voir ? Que non, professeur, la science cognitive a bien trop marqué le monde pour être négligée. S'il y a de la connexion, pourquoi me dis-je ? Il y a littéralement le PC de connecter à Internet, la tablette et le téléphone. Compréhensible. Et la PS4, évidemment, oui, non, mais c'est logique. La PS5, elle est éteinte. Mais qu'est-ce que vous me chantez ? C'est le PC qui tient plus la connexion, plus simple. Depuis des années. Les cas de frénésie, les métanoïas foudroyantes dont les voleurs fantômes clament être les auteurs. On dirait bien une preuve concrète de l'absence cognitive en pleine action, vous ne trouvez pas ? Et la personne qui tire les ficelles dans l'ombre. Daigishi. Shido Masayoshi desu. Le député Masayoshi Shido. Kaitoudan ga kaishin saseta koto de kare mo ooku o jihaku shita you desu ne. Il ne cesse d'avouer des crimes depuis que les voleurs fantômes lui ont infligé une métanoïa. Katsute Shido wa boku no ninchi kagaku kenkyu ni me o tsuke. Sore o ubai totte. Recherche par Oki, c'est aussi celle de la mère de Futaba. C'est aussi celle de Wakaba, c'est pas que les tiennes. Il y a des années, Shido a eu vent de mes recherches. Il s'en est emparé pour en tirer profit. Il a également exploité l'absence cognitive à des fins politiques en provoquant des frénésies. Et j'imagine que vous avez une grande part de responsabilité dans tous ces événements. Je me trompe. Qu'avez-vous l'intention de faire ? Oh, rien du tout. Comme je vous l'ai dit, je voulais seulement vous provoquer. Grâce à mes recherches, à mon travail, je vais changer le monde. Changer le monde ? Il vous faut de l'argent et du pouvoir pour ça. Et vous n'êtes pas Shido à ce que je sache. Ce document n'est que la première étape. J'ai découvert comment altérer la psyché non pas d'un seul homme mais de toute l'humanité. Et rien ne m'empêchera de parvenir à mes fins. J'en ai assez. Débarrassez-moi le plancher et n'en remettez plus jamais les pieds ici, c'est compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne voyez pas, le ciel vient de... L'heure est venue. Cette voix. Ouais. Sommes enfin, je suis l'autre toi. Celui qui réside dans le royaume des cœurs des hommes. Entre moi et ce royaume des cœurs. Masaka. S'agirait-il de... Tu n'en as probablement pas conscience, mais cela fait longtemps que je suis à tes côtés. Mais...
Fusion entre ta réalité et la mer des cœurs dont je suis originaire s'opère enfin. L'apogée de ta doctrine injustement rejetée est proche. Je suis toi et tu es moi. D'accord, j'ai enfin compris. Il est à moitié un câble, évidemment. Je ne pensais pas que ce serait aussi. Hey, est-ce que vous marmonnez? Vous dites partir. Bien sûr, on va. Je vais enfin pouvoir. Il a pété un câble. Hein. Shido. Shido. Quand je pense que c'est lui qui a interrompu les recherches du docteur Maruki. Dites, je me pose une question depuis la dernière vidéo. Vous croyez qu'il y a un lien entre les recherches en sciences cognitives de ma mère et celle de Maruki? Après avoir saboté les recherches de Maruki, Shido a ordonné à ses pions de les reprendre pour lui. Néanmoins, les chercheurs devaient bien moins s'y connaître que Maruki. Typiquement le genre de plan que ce type pourrait mettre en place. Quel enfoiré! Enfin bon, c'est pas le moment de s'énerver. Il y a autre chose que vous n'avez pas encore mentionné. L'entité qui apparaît vers la fin était certainement la persona de Maruki. Si elle était devenue rouge, est-ce le jour où nous avons affronté le lieu du contrôle? Miss Lavenza nous expliquait que ce jour-là, réalité et Memento ne faisaient plus qu'un. Comme vous l'avez tous constaté, personne ne peut s'éveiller que dans le métavers. Ça signifie qu'on a bien assisté à la manifestation de la persona de Maruki dans cette vidéo. Et au même moment, il a hérité de la capacité d'interagir avec le Memento, la psyché des masses. C'est exactement ce que Lavenza nous a dit. Tant de coïncidences devaient être réunies pour rendre ça possible. Quoi qu'il en soit, les événements passés sont plus clairs à présent. J'imagine qu'il s'agissait d'un autre souvenir que Maruki aurait préféré nous cacher. Ouais. Nous passerons des questions plus tard. Continuons. Bon, on a fait le plus gros morceau du contenu royal. Parce qu'après, c'est un mini-boss. Et c'est le trésor et ses grosses phases de dialogue. Et après, c'est de nouveau rebelote ta vie de tous les jours. Jusqu'à la fin du mois. Puis les dernières requêtes dans le Memento. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Je sens que ça va encore dire, ah mais il n'y a pas la connexion d'un moment à l'autre, donc autant s'arrêter là. J'ai déjà 1h11 en plus. J'aurais bien avancé, on continuera demain. Soir, après Elden Ring. Ok, ben merci d'avoir été là malgré les... visiblement problème technique, notamment le chat qui ne fonctionne plus.
Et je ne sais pas comment régler ce problème. Qu'à bonne nuit. Et pas dans 14 heures. Pour Elden Ring.